Allô Aliska, Timberborn, un jeu de gestion de colonie de castors, je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être fun. Comment vas-tu? Hey! Je suis en train de tester, voir comment je peux augmenter à mort le flux de la rivière. Pourquoi tu veux faire ça? Quel est le but de cette manœuvre? Dis-moi. Faisons des couloirs d'eau. Allô, Akanet? Ça va et toi? Pour tes moulins à eau. Est-ce que. Je vais poser la question traditionnelle, mais est-ce que le son de la musique derrière n'est pas trop fort par rapport au son de ma voix? Normalement, c'est bon, j'ai testé tout à l'heure deux fois, mais bon. Je préfère demander pour être sûr, sûr, sûr. Parce que bon, c'est trop jamais. Je les sens pas trop forts, je t'entends très bien, mais pas les musiques. Ah oui. Je vais monter un poil. Oula, ça monte un peu trop. Ça m'a l'air mieux là, non? Peut-être. Oh. Musique est assez faible. Ok. Ouais, donc en fait, j'ai testé n'importe comment tout à l'heure. Parce que j'ai rebidouillé des réglages et. Voilà. Tu t'es que. Ouais, l'écho c'est normal. L'écho c'est carrément normal. Bon, bah écoutez, j'ai monté un peu le son. Bon, après, évidemment, au moment où je vous demande ça, la musique se termine, hein, bien sûr. Bon, c'est pas drôle. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on met ça, voilà. Je vais juste me réinstaller un petit coup. Le temps que ça n'a pas encore commencé. Vraiment. De villageois. T'avais des paysans, t'avais des religieux, t'avais des chevaliers, je crois de mémoire. Et ce qui était sympa, c'est que t'avais tout de côté, t'avais la mortalité qui existait dans le jeu au niveau de la gestion. Du coup, tu pouvais, enfin voilà, il fallait gérer la santé de tes personnages, mais bon, fatalement ils vieillissaient, donc fatalement, fallait que tu leur fasses faire des enfants pour qu'il y ait une nouvelle génération et tout. Enfin, il était vraiment bien, il me plaisait bien. La musique couvre. Est-ce que la musique couvre encore un peu ou pas? J'espère que non. Parce que bon, allez, il y a un peu plus, un poil plus dynamique là, celle qui passe en ce moment, mais ça devrait être mieux. Normalement, je l'ai baissé un poil d'ici par rapport à tout à l'heure. En tout cas, ouais, les sketchs, je suis d'accord, vive les jeux de gestion. Moi, j'adore aussi. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Pas que je sois plus forte. Ok, moi, ouais, je vais la baisser un peu. Hein. J'ai pas envie.
qu'elle soit trop forte non plus. Que ça soit reste agréable quand même. Bon voilà, je l'ai baissé un petit peu. Bah moi je l'ai baissé un peu. Je vais la baisser, voilà. Là normalement ça devrait être. Bon, je l'ai mise techniquement, je l'ai mise au même niveau que quand je mets le. Comment dire? Au même niveau que quand moi je monte mes podcasts au même niveau sonore sur la piste. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté, mais on va dire que oui. En tout cas, bienvenue à vous sur cette nouvelle émission Premier Chapitre où je vais vous lire le premier chapitre d'un livre auto-édité. Allô Alice, comment vas-tu? Et donc le livre de ce soir, vous en voyez déjà la couverture. C'est... Alors, j'ai demandé la prononciation à l'auteur, qui va peut-être passer d'ailleurs. La prononciation, normalement, je ne me trompe pas, qui est Brathar Solas. Je ne suis pas sûre si je l'ai bien dit. Si je ne l'ai pas dit, il va débarquer chez moi et me secouer les puces. Mais bon. Comment vous voulez prononcer ça? Il y a des majuscules, il y a des accents partout, et des R et des T et des H. Oui, ça va aussi, merci. Ça va bien. Et du coup, le livre de ce soir, je l'ai en format rocher. Oui, ce livre faisant partie de ma pile à lire pour le challenge un dé par mois. Pour le mois d'avril, je crois. Je crois que c'est mon livre d'avril, il me semble. Donc là, du coup, je vais dévorer le premier chapitre un peu... Ça va être un peu en amuse-bouche. Il me semble que c'est avril. Donc, tu peux naviguer entre les deux. Il y a les deux derniers réglages, il ne faut pas le mettre plus fort. Et là, moi, je ne l'aimerais plus. Ok, bah écoute, du coup, je pense que ça a l'air d'être un très bon réglage. Je ne vais plus y toucher. Du coup, donc, ce soir, live de lecture au livre d'édité. Et comme d'habitude, je vous ai... préparer la petite commande que je vais taper dans le chat pour balancer l'Instagram de Grian, donc l'auteur d'aujourd'hui. En plus, un auteur que j'ai rencontré aux Imaginales et qui habite pas très loin de chez moi. Du coup, c'est chouette parce que voilà, du coup, on se voit de temps en temps et tout, c'est sympa. C'est toujours plaisir. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allée le voir, pour l'aider pour faire un puzzle de 1000 pièces, j'ai complètement oublié de lui ramener les deux bouquins, parce que du coup j'ai les deux tomes de ça. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou si c'est une duologie. Je crois que c'est une duologie. Du coup j'ai les deux tomes et j'ai oublié de lui ramener pour qu'il puisse les dédicacer. Donc la prochaine fois que je le vois, je lui ramène. En tout cas, je suis ravie de vous voir. Et j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes installés confortablement pour cette petite soirée de lecture auto-édition. Moi je suis grave prête, je suis grave chaud patate. J'ai trop hâte de commencer la lecture de ce bouquin. Et bon, il est 20h40, on va dire que tu commences la lecture à 20h45, en 5 minutes. Voilà. Le temps de se préparer une dernière potion si ça n'est pas déjà fait pour vous. Et voilà, à fond. C'est déjà pas mal. Du coup, j'ai hâte de commencer la lecture. Donc, de ce que j'ai compris, c'est de la fantasy. De ce que j'ai compris. Ah bah, mais en fait, je peux carrément vous lire le résumé. Je me dis, sur les 5 minutes qui nous restent. Alors, le résumé étant... Ethan est un lycéen timide souffrant de terreurs nocturnes depuis son plus jeune âge. Après un acte héroïque, il est laissé entre les mains de la médecine, mais très vite est arraché à ses proches. Conduit à Brathar Solas, l'adolescent sera missionné afin de mettre un terme à la guerre qui ravage le royaume depuis 2000 ans. Mais pour autant, le jeune héros voit ses cauchemars perdurer. Il pourrait être bien davantage que de simples rêves. Sinon, l'expression de tout ce parcours qui lui est assigné et face auquel il n'est plus maître de lui-même. Imaginez avoir la magie à portée de main. Imaginez-la s'insinuer dans votre corps et offrir une plénitude sans commune mesure.
Grisant, n'est-ce pas? Plaisant? Probablement. Imaginez à présent que cette force puisse être dotée de volonté, qu'elle puisse, si elle le souhaite, pénétrer votre esprit au point de vous rendre fou. La laisseriez-vous entrer? Sûrement pas. Mais aurez-vous réellement le choix? Et voilà. C'est donc le résumé. Du coup, ça a l'air très fantasy et j'ai hâte de découvrir ça. Et j'espère que, du coup, le premier chapitre... J'ai même pas regardé la longueur du premier chapitre de ce soir. Déjà, est-ce qu'il y a un prologue? Il y a un prologue. Vous aurez le prologue en plus, évidemment. Il y a 3 pages. Et premier chapitre. Oh, waouh, une jolie mise en page. Je vais vous montrer ça juste après. Premier chapitre. Oh, c'est pas prévu. Ça sera plutôt court à la réunion ce soir. Ce qui m'arrange, je ne vous le cache pas, parce que de même temps, je me lève assez tôt pour le boulot. Regardez-moi cette petite mise en page plutôt chouette. Et hop, voilà. Donc on a tous ces espèces de petits symboles là. Et on retrouve aussi un détail. J'espère que je le voyais très bien. Un détail plutôt en bas des pages. Ouais, Lise, je trouve ça plutôt chouette. Franchement, hier je l'ai dit sur Twitter, j'ai commenté le cloître des vanités de Manon Ségur et c'est pareil, la mise en page est magnifique. Et je suis trop fan de ce genre de mise en page, c'est très chouette. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Mais je trouve que ça apporte un vrai petit truc, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà. Vraiment sympa. Du coup, j'ai hâte d'en parler ça. Donc il y a 3 pages de prologue. Et donc voilà, donc là c'est le prologue, en gros. Et là. Deux pages de et le premier chapitre. C'est des chapitres assez courts du coup. Le chapitre c'est 3 pages aussi. 1, 2, 3. Ouais, voilà. Donc ça va être... la mission de ce soir va être assez courte. Il est aussi dans ma pierre, j'ai le livre des manons. Ah oui. Ouais. Bah franchement, ah pardon, ça me rassure, j'espère que je vous ai pas trop secoué. Mais non, mais je vais être le micro, c'est celui de... celui qui est en bas, c'est pas celui du casque. ouais, Lise, franchement, je te comprends complètement. Là, c'est une lecture perso du coup, et je le dévore. Franchement, je suis trop fan, j'aime trop. Je découvre toute la... le diabolisme, je sais pas si ça se dit. Du personnage de Serment. Allo Ayatris, comment vas-tu? T'arrives au pile pour le début de la lecture, je commence dans 2 petites minutes. Donc installe-toi. Comme tu peux. Enfin, si tu veux, peux rester évidemment. T'es mis parfait. Ah, nickel, là. Oui, ça va aussi, merci beaucoup. Ça va, ça va. À savoir que du coup, ce que je disais un peu plus tôt avant que tu arrives, c'est que le prologue et le premier chapitre de ce livre, du livre de ce soir, donc de Brassard Solace, sont assez courts, donc l'émission ne sera pas très longue forcément aujourd'hui. Je pense que d'ici une demi-heure, ça sera... Sauf peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, tant que peut-être un poil. Mais voilà. Parce que c'est assez court, mais ça va être cool. Je suis sûre que ça va être cool. Donc écoutez, mes petits sucres, on va pouvoir commencer la lecture de Brassard Solace de Grian. Oh, avant de commencer, je vais envoyer un petit message quand même à l'auteur pour lui dire « Oh, ça commence !» Il m'avait dit qu'il essaierait de passer, donc je vais quand même lui dire. Tac, voilà, je l'ai prévu. Garde ouvert le fan club des explosions de canettes. Ah oui, ça gazouille, pépère. Ça va, c'est sympa. Voilà, je vais commencer du coup la lecture du prologue déjà de Brassard Solace. Et oui, je fais partie des gens qui cassent le dos de ces bouquins. Allez, on y va. Prologue. Bienvenue en enfer. C'est en tout cas ce que je me dis chaque fois que je me réveille en ce lieu. Mon esprit, étourdi, comme s'il s'éveillait d'un songe de plusieurs années, comprend immédiatement où il a été jeté. Cette chaleur étouffante,
Je ne la connais que trop bien. Et je sais qu'elle est le présage d'une horreur incommensurable. Sans doute devrais-je ouvrir les yeux, chercher un chemin par où m'enfuir. Mais je redoute ce que je verrai, ce que j'ai déjà vu. Je me dis qu'en gardant les paupières closes, je pourrais me convaincre que tout ceci n'est qu'un mauvais rêve. Une plainte déchirante résonne alors à mes oreilles, comme le dernier râle d'agonie d'un homme mourant. J'ouvre les yeux machinalement pour tenter de trouver l'origine du son et regrette aussitôt ce choix malheureux. Me voilà en ce lieu une fois encore. Chaque fois que je me réveille au milieu de ce dédale de pierre, je ne peux m'empêcher de ressentir ce frisson glacé qui remonte le long de mon dos et dès lors ne me quitte plus. Mon regard ne s'est posé que trop souvent sur tous ces morts qui jonchent le sol, donnant à cette terre désolée son affreuse teinte cramoisie. Tous ces cadavres me terrifient. Les premières fois, je ne parvenais même pas à les observer. Il y en a tellement. Ils m'encerclent. J'ai l'impression de me noyer au milieu de tous ces visages pantelants, tressaillants de douleur. À présent, je les enjambe tant bien que mal. Chacun de mes pas s'accompagne de relents âcres de fer qui emplissent mes narines. La nausée me brûle la gorge, mais je ne peux rester ici. Je dois avancer. En mon fort intérieur, j'aimerais me recroqueviller dans un coin, oublier ce cauchemar, revenir à une réalité plus douce, ne serait-ce qu'en rêve. Ce n'est pas aussi simple. Une lune rouge comme le sang gouverne la nuit noire. Elle guide ma démarche chancelante de sa lueur éparse. Je n'y vois presque rien et manque de trébucher régulièrement. J'emprunte le même chemin que d'habitude, tout droit jusqu'à la troisième intersection, à droite, puis deux fois à gauche et de nouveau tout droit. Trouver une issue fut à chacune de mes visites ici le moteur qui me permettait d'avancer. Je découvre de nouveaux sentiers et m'aventure un peu plus loin que la fois précédente. Pourtant, plus j'avance et plus la sortie me paraît hors d'atteinte. Je ne comprends pas la logique de cet endroit. Le premier jour, j'avais marché droit devant, sans jamais changer de direction. Et j'avais malgré tout fini par revenir sur mes pas. Les allées se ressemblent toutes. J'ai l'impression de tourner en rond, d'avancer dans le vide. C'est tout ce que je peux faire, en attendant qu'une entité sadique soit satisfaite et consente à me libérer. Comme à l'accoutumée, j'ai de plus en plus chaud. Des flammes commencent à dévorer les murs. Elles progressent plus vite que d'habitude. J'accélère la cadence. Contrairement au cadavre auquel je me suis un tant soit peu habituée, ces flammes conservent toute leur monstruosité. Plus je les vois, et plus j'acquiers la certitude qu'elles ont quelque chose de surnaturel. Je suis persuadée qu'elles sont animées d'une volonté, qu'elles me chassent et qu'elles ne me laissent aucun répit. La chaleur qu'elles dégagent est malveillante. Je la sens s'immiscer sous ma peau, faire bouillir le sang dans mes veines et consumer mon corps jusqu'à l'âme. Mon cœur tambourine de plus en plus fort, tandis que je cours pour rester en vie et tourne au hasard des croisements. Je finis par me perdre. J'ignore où je vais, si je cours dans la bonne direction. Cependant, je dois sauver ce qui peut encore l'être. Lorsque, essoufflée, je ralentis l'allure, je sens la morsure des flammes qui me contraint à accélérer de nouveau. Haletant, j'entends le sang pulser dans mes oreilles, si fort que c'en est tout lourd. Le souffle court, je doute de pouvoir cette fois encore échapper à cette chasse. Brutalement, je me suis pris de vertige. Mes jambes m'abandonnent et je m'effondre seule. Aussitôt, j'essaie de me relever mais c'est trop tard. Le piège s'est déjà refermé. Les flammes se sont enroulées autour de mes chevilles. Une douleur fulgurante m'envahit et m'arrache un cri. Je les sens grimper le long de mes jambes, envelopper mon torse. Je les sens brûler ma chair, la noircir, jusqu'à ce qu'elles disparaissent ensemble. Je me débats de toutes mes forces, mais rien n'y fait. Je suis totalement soumis au bon vouloir de ce chasseur. Terrorisée, mon esprit s'assombrit, et bientôt, je ne vois plus rien. J'ai peur. Les ténèbres m'enserrent, m'oppressent.
et je suis seule. Un froid saisissant vint calmer le brasier qui me dévore. Mon cœur affolé retrouve la sérénité et je me laisse porter par le réconfort de ce glacial sauveur qui apaise mon âme. Quand vient enfin le moment de fermer définitivement les yeux, je ne suis pas triste. J'accueille ce moment comme un vieil ami, comme une suave mélodie qui me murmure à l'oreille que tout va bien. Tout devient noir. Plus rien n'existe autour de moi. Je me repose dans le néant du sommeil éternel. Soudain, alors que plus rien ne semble me raccrocher à la vie, j'entends un tapage déplaisant résonner à mes oreilles et me ramener à la lumière. Hey, mais il y a eu deux petits colocs, bienvenue à vous mes petits sucres, aloha mon kitsu et Grian, coucou! Comment allez-vous? J'étais en pleine lecture de ton prologue, Grian. Oui, effectivement, Lise, non, c'est pas des petites tâches nocturnes. Donc, bienvenue sur le premier chapitre, à vous deux. Et ça fait encore plus de plaisir que tu viennes, Grian, vu que tu es du coup l'auteur du roman de ce soir. Ouais, Lise, quand j'ai lu le résumé tout à l'heure, où ça parlait des terrains nocturnes, j'étais en train de me dire, oh, bah, c'est bon, je connais, j'en fais. Bah là, mon Dieu, je ne peux pas me retrouver dans cela. C'est horrible. J'espère en tout cas que déjà ce prologue vous a plu. Il se nommait dans l'ambiance, hein, Grian. Dès les premières pages, tu nous tortures. Autant que tu tortures ton personnage. Ah bah écoute, merci. Tu m'as fait gagner deux polos. En vrai, je crois que j'ai peut-être atteint les 200 grâce à toi. Attends, que je vérifie ça tout de suite. Parce que je ne suis pas très loin des 200 followers sur ma chaîne Twitch. J'ai regardé ça de ses pas. Alors. Ah, 199. Je suis à 199. Peut-être que mon patron est juste en ce soir ou pas. On verra. En tout cas, ce prologue nous met directement dans l'ambiance, hein. Ça rigole pas. Ouais, plus qu'un, plus qu'un. Ça va peut-être ce soir, sinon ce sera sur les prochains lives. C'est un truc de fou. 200. En deux, en... J'allais dire en deux ans. Ouais, on peut dire en deux ans, parce qu'en réalité j'ai commencé à streamer en 2019, mais j'ai beaucoup streamé au début, après j'ai fait une grande pause. Quoi. Voilà quoi. J'ai commencé en avril 2019, je me souviens. Enfin, j'avais cherché la date il n'y a pas longtemps. Bon, et bien écoutez, sur cette joyeuse note, nous allons entamer le chapitre 1. Grian, tout à l'heure, j'ai évidemment montré cette belle mise en page que nous avons là, et que nous avons là, et elle a fait un peu l'unanimité. C'est plutôt chouette. Voilà. Sympa. Donc écoutez, nous allons pouvoir commenter la lecture. Ouais, ta vie, Atrice, c'est chouette, hein. Kenneth aussi, elle est là, il me dit. Et je suis plutôt d'accord, c'est vraiment super sympa. Vraiment, vraiment sympa. Donc, je disais, je vais pouvoir reprendre la lecture et partir sur. Oh, regardez comment je casse le dos là. Je vais pouvoir reprendre la lecture et enchaîner sur le chapitre 1. Est-ce que vous êtes bien installé pour la suite de cette émission de lecture auto-édition? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Le plaid, les petites boissons chaudes, tout ça, tout ça. C'est comme toi, sortir aussi mes livres. Ouais, ça leur donne une vie, tu vois, ça les fait vivre. Paris installé. Ok. Parfait. Mais oui, Grian, je l'ai dit en début d'émission, tu verras, t'écouteras le replay, t'es jamais. Je l'ai dit, je fais, c'est fou, on n'habite pas loin l'un de l'autre, et la dernière fois que je t'ai vu, j'ai oublié de les ramener. Il faudrait que tu me les dédicaces, de ouf. Avec grand plaisir. Moi, j'aimerais trop.
J'adore les dédicaces sur les bouquins. Bon, alors, si vous êtes prêts, on va. Donc, lecture du chapitre 1, 2. Alors, Grianne, si j'ai bien suivi, ça se prononce Brassard Solas. Ça? De toute façon, c'est pas... Je me souviens même plus que... comment tu m'avais dit ça. Attends. Je vais aller voir dans mon message. Je t'avais demandé quand même. Hein. Alors. Ouais. Ah non, c'est Brassard Solas. Pardon. Ouais, bon. Ouais, Brassard Solas. J'avais presque bon. Bon, allez. Tu me laisses la lecture du chapitre 1 avant de dire d'autres bêtises. C'était une nouvelle journée qui commençait à Avensen. Il était 6h49 lorsque les tout premiers rayons jaillirent dans les rues de cette petite ville tranquille de l'État de Washington, située non loin de Seattle. Petite ville ordinaire suffisamment grande pour se suffire à elle-même, Avensen ne l'était pour autant pas assez pour que l'on puisse en entendre parler. Peu de gens savaient reconnaître ces longues routes pavées, bordées de chênes charnus. Encore moins avaient assisté à un lever de soleil dans ces rues. Ils ne connaissaient aucunement la manière dont les premiers rayons se frayaient un chemin à travers l'épais feuillage des arbres, ni comment leur éclair resplendissait au travers de la fraîche rosée matinale. Déjà, des ombres variées se dessinaient le long des trottoirs, traduisant le jeu auquel se livrait chaque matin la pénombre de la nuit, avec la lumière timide d'un soleil à peine éveillé. Cette ville avait su préserver un impressionnant écosystème floral. Les fleurs s'épanouissaient ici et là, offrant un véritable défilé de couleurs. Un plaisir pour les yeux qui n'était que la plus parfaite représentation de l'harmonie qui régnait entre le béton moderne et la nature d'antan. À Benson, avec ses maisons de bois et de briques rougeâtres, se distinguait par l'élégance de ses œuvres architecturales. Plus loin, lorsque les habitants s'aventuraient plus profondément dans le dédale des Venelles, ils tombaient sur le bureau de poste, le bureau d'avocat de Maître Reed, le cabinet du docteur Corner, le café-tabac d'Eric, la boulangerie de Myriam, la boucherie de George et toutes sortes de commerces. Ces échoppes étaient disposées linéairement autour de la place centrale, ornée de lampadaires noirs, semblables à ceux que l'on apercevait dans les vieilles rues de Londres. Elle était agrémentée de bancs en métal, aux traits raffinés et aux détails d'une infime précision, de dalles de béton étrangement belles et d'un blanc nacré. Cette place était fleurie comme nulle part ailleurs, et sur elle siégeait la mairie qui, par la blancheur immaculée de ses briques, semblait avoir été taillé dans un immense bloc de craie. La nuit laissait place au jour, les lampadaires s'éteignirent les uns après les autres. Les oiseaux chantaient, petit à petit, Avanson sortait de sa torpeur. Les éboueurs passèrent durant son sommeil, et le jeune garçon avait déjà distribué les journaux. C'était un nouveau jour pour ses 8 500 habitants. Les rues reprirent l'activité laissée la veille. Bus scolaires et voitures se mirent en marche. Sur la place du marché, les derniers ragots commençaient déjà à se propager, tandis que d'autres s'amusaient à les crier. Oui, aujourd'hui était une journée qui démarrait bien. Ethan ne s'était rendormi que 5 minutes. C'était pour lui un réconfort tout particulier, qui l'aidait un tant soit peu à digérer son horrible cauchemar. C'était le même qui se répétait nuit après nuit. S'endormir le soir était devenu une réelle épreuve. Il en souffrait et finissait même par avoir peur de son sommeil. Il avait tenu à garder cela secret, par honte, et ne voulait surtout pas déranger sa mère avec ça. Il attarda son regard sur son bureau. Son ordinateur était encore allumé. Il avait une fois de plus oublié de l'éteindre. Des feuilles traînaient un peu partout, son livre de maths était ouvert et ses crayons étalés au sol. Il avait travaillé jusqu'à tard dans la nuit. De l'autre côté de sa chambre, sur l'un de ses quatre murs recouverts de posters de ses personnages de comics préférés, il y avait une étagère où, dignement exposés,
se trouvaient leurs figurines, ainsi que toute une flopée de bandes dessinées. Cette collection était la seule chose dont il était réellement fier. Quand lui vint enfin la force de sortir de son lit, il se hissa sur les jambes et chaussa ses pantoufles avec précaution. Il avait une sainte horreur du froid glacial qui émanait du parquet de sa chambre en ces heures prématurées de la journée. Après de nombreux efforts, il parvint à quitter la pièce d'un pas nonchalant, se dirigeant vers la salle de bain. Sorti de la douche, il essuya la buée sur le miroir afin de voir plus distinctement les cernes qui habillaient ses yeux, vestiges d'une énième nuit agitée. Il passait souvent de longues minutes à s'observer ainsi, comme s'il entreapercevait dans son reflet une part plus importante de lui-même, comme si, au-delà de ses cheveux en bataille, de ses yeux bleus ou de son teint hâlé, il y avait quelqu'un d'autre. Timide, mais charmant selon ses proches, Ethan se voyait, du haut de ses 17 ans, davantage comme un geek solitaire infortuné par la vie. Cette introspection quotidienne n'apportait jamais de réponse. Il enfila ses vêtements, puis afficha un sourire de façade sur son visage marqué par la contrariété, les doutes et la lassitude, avant de rejoindre ses parents dans la cuisine. Il les retrouva comme chaque matin, l'un devant son journal, l'autre devant son magazine, buvant tranquillement leur café. « Bien dormi, mon petit boulou ?» demanda sa mère en repliant son magazine. « Oh, tu sais bien que je n'aime pas quand tu m'appelles comme ça !» répondit-il sur un ton neutre, s'efforçant de refouler le souvenir ravivé du cauchemar de la nuit. « Ah, les habitudes sont parfois tenaces !» dit-elle en ricanant. « Que veux-tu pour déjeuner ce matin ?»« Ne t'embête pas, maman, je vais juste prendre des céréales et du jus de fruits. » Sa mère, Alana, était serveuse dans le centre V. Très jolie et avenante, sa sympathie naturelle lui valait de réguliers compliments de la part des clients du restaurant, ce qui ne manquait pas d'agacer son mari, Randall. Ethan était particulièrement proche d'elle, même si malgré leur grande complicité, il veillait toujours à préserver son petit jardin secret et intérioriser beaucoup plus qu'il ne le souhaitait. Quant à son père, c'était un solide gaillard d'1m80, les cheveux noirs très courts, les yeux bleus. Il arborait constamment un air sévère, ce qui expliquait que peu de gens s'aventuraient à sympathiser avec lui. Pourtant, ceux qui en avaient eu le courage n'étaient jamais déçus. Malgré les apparences, c'était quelqu'un de très gentil. Il était directeur adjoint à l'aciérie d'Avancel. Malheureusement, il passait l'essentiel de son temps au travail, souvent 12 à 13 heures par jour, plus par envie que par obligation. Sans compter les nombreux déplacements pour l'entreprise. Il voyait peu sa famille, mais se rassurait en se disant qu'au moins, sa femme et son fils ne manquaient de rien. Ethan ne faisait aucun reproche à son père, bien qu'il déplorait ne pas avoir de vraie relation père-fils avec lui. Il nourrissait ses regrets en silence. Le petit déjeuner expressément avalé, Ethan enfila ses chaussures, attrapa son manteau dans le couloir, et ouvrit la porte d'entrée pour se mettre en route. Son âme et son corps étaient dissociés. Alors que la première lui criait de toutes ses forces de renoncer à cette folie, le second, lui, commandait de continuer. Chaque pas se fit machinalement, et même sa propre volonté se retrouvera totalement soumise à l'étonnante puissance de la routine. À mesure que les mètres s'accumulaient, que les secondes s'écoulaient et que l'itinéraire se réduisait, le point de non-retour s'approchait, jusqu'à ce qu'il soit inexorablement atteint. Et voilà, fin de chapitre 1. J'ai pas vu plus que à propos du titre, c'est du gaélique. Ah, je vais embaucher Abby pour l'audiobook. Avec plaisir, Brianne. Du coup, je suppose que la lecture te plaît. Très sympa comme titre. Il sonne bizarre, je suis allée voir la signification. Je me suis arraché les cheveux pour choisir. Pas évident de trouver. Ouais, exactement, Yatris. Pas évident du tout. Bon, en tout cas, j'espère que la lecture vous a plu. Moi, j'ai passé un chouette moment.
et que ça vous a donné envie aussi de découvrir la suite. Merci, à plus. Je suis contente si ça vous a plu. Voilà, si jamais ça vous donne envie, n'hésitez pas à craquer votre slide. En attendant, vous pouvez toujours aller voir l'Instagram de Grianne, dont voici le lien tout de suite. Là. Ah, c'est cool. Merci, Canette. Je suis contente. Parce que moi, j'ai passé un bon moment de lecture et ça donne envie de poursuivre. Mais du coup, au début, ça devait être les aventures pas très impressionnantes d'Ethan. Ouais. Mais tout ce côté terreur nocturne là, dans lequel tu nous as plongé dès le prologue, m'a envie de savoir jusqu'à quel point il est torturé, etc. Et ça, je veux faire dédicacer, voilà, donc alors, rendez service à l'auteur, commandez-les tous, quoi. Pour qu'il puisse s'abîmer le poignet, ok? C'est le but. Il y a déjà une épaule en vrac, c'est bon, il peut avoir le poignet en vrac aussi. Merci à plus et puis passez une bonne soirée, une bonne nuit. Oui, il est tout adorable. Il a l'air tout perturbé là par ses petits cauchemars. Il n'ose pas en parler à sa petite maman. Il a pas vraiment une relation avec son petit papa. Et elle a envie de lui prendre le petit joue et lui faire oh petit Ethan. Pauvre de toi. Du coup, j'ai hâte de savoir quel genre d'aventure et de mésaventure il va découvrir au fur et à mesure des pages. Enfin, on va découvrir au fur et à mesure des pages. Et que lui va vivre et subir, d'ailleurs. En tout cas, je suis vraiment contente si ça vous a plu. Moi, je sais que cette émission, je sais quoi, là, c'est un petit moment tout chill, tout détente et tout. Enfin, j'adore. Et puis, bah, voilà, vous pouvez découvrir des débuts de romans auto-lycée, donc si ça peut vous donner d'aller lire la suite, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est une mission accomplie. Enfin, c'est une mission accomplie si déjà vous avez passé une bonne soirée, une bonne émission. À partir de là, c'est trop cool. Et du coup, moi je vais tranquillement vous laisser. Parce que je me lève quand même à 5h du matin de matin. Je me dis que ça va piquer un petit peu, donc je vais laisser dormir un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai avancé l'heure par rapport à d'habitude. Mais si jamais j'avance, je sais pas, un petit peu, au lieu de mettre 21h, si j'avance un peu à 20h30 avant, ça risque, enfin, je veux peut-être le repère d'avancer comme ça un peu l'heure. Parce que comme ça permet de pas être trop tard, et puis bah... C'est que le fait de lire à haute voix, ça fatigue. Donc le fait, là, quand j'ouvre le live à 21h, en réalité, je commence pas à lire avant 21h15, 20. Après, le temps que la lecture se fasse, etc. Le temps de l'exercice, de la lecture et tout, c'est un peu fatigant aussi. Donc ça fait traîner. Là, c'est pas mal. Parce que du coup, là, voilà, le fait d'avoir lu un peu... Bon, alors, le chapitre est court, du coup, mais quand même. Voilà, là, je ne fais pas trop tard, donc c'est top. Donc pourquoi pas ravancer mon heure habituelle de 21h à 20h30. Je vais voir, peut-être que... Dans 2 semaines, quand je referai un autre live lecture, je ferai aussi 20h30, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je vais tout tranquillement vous souhaiter une très bonne soirée et une très bonne nuit aussi. Et merci pour votre présence. Ça me fait toujours plaisir d'avoir quand même quelques personnes qui écoutent à chaque fois. C'est chouette, c'est toujours quand même plus agréable. Et bien, avec grand plaisir, Kenneth. Plaisir grandement partagé. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et puis, donc, oui, petite information avant de vous quitter. Donc, le replay de cette émission sera disponible sur la chaîne YouTube du portail de cette émission à partir de lundi prochain. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Et puis, merci à toi, Grianne, de ta présence. C'est toujours chouette, je trouve, quand il y a l'auteur qui est là. D'ailleurs, on n'a pas forcément pris le temps, mais voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à aller lui parler sur Instagram. Il est très, très accessible, très sympa, c'est tout ça. Je vous remets encore une fois le lien sur Instagram. Et merci de ton follow aussi, Grianne, c'est chouette. Il y a ça.
des 200 follow. C'est un nouveau cap encore sur la chaîne YouTube. La chaîne Twitch. Ma foi. C'est chouette. Donc je vous dis à tout bientôt sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, tout ça, tout ça. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci de votre écoute et à tout bientôt. Salut!